Oui, c'est toute ma vie, ça. Moi, j'ai une enfance très heureuse, mais très un peu terne. Le 21 décembre, Gaumont distribuera dans nos salles obscures Le Petit Piaf, le nouveau long métrage de Gérard Jugnot. Et à l'occasion de cette sortie, j'ai profité de la tournée d'avant-première pour aller à la rencontre de Gérard Jugnot, qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Merci à la formidable équipe du CGR de Blagnac. Vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux ainsi que les miens et ceux du Web Toulousain. L'interview de Gérard Jugnot, ça commence maintenant. On a tous des blessures, alors autant s'en servir. Eh bien, bonjour Gérard Jugnot. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Oui. Comment ça va et comment se passe cette tournée d'avant-première? Oui, pour l'instant, les réactions sont bonnes. Je suis plutôt content. Puis, ça, c'est important de faire ces avant-premières avant la sortie. Au moment de la sortie, c'est ce qui est terrible. Vous savez, on fait le film, on écrit, après on le présente. Après, on a des réactions qui sont, là, pour l'instant, elles sont très bonnes. Donc, mais après, il faut faire rentrer des gens dans la salle et on attend ce moment atroce et on trompe un peu son attitude en montrant le film et en se gorgeant des réactions des gens. Et en plus, c'est important pour moi de voir, d'écouter les réactions pour savoir si on s'est pas trompé sur certains trucs. Donc là, j'ai vu beaucoup de films dans les salles. Et pour dire, tiens, là, ils vont rire, ah, ils rient, là, il y a du silence, là, j'aime bien. Ah, puis tiens, les yeux un peu rouges, je suis content. Donc pour l'instant, je suis content. Mais c'est comme les rendez-vous d'amour, on se bichonne, on se parfume, et puis est-ce qu'elle va être là? Bah, je vous donne ma réaction. Moi, j'ai adoré le film. J'ai découvert hier matin. J'ai pleuré, j'ai ri. Mention spéciale pour le chauffeur Uber. Ah, il est formidable. Ouais, il est pas mal. J'ai appris que c'était pas vous qui avez écrit le scénario, mais c'est tout comme. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un film qui rentre dans votre ADN oui, cinématographique? Enfin, il y a eu plein de versions, donc il y a eu beaucoup de scénaristes. Et bon, moi, j'ai pas mis mon nom, mais parce qu'il y avait déjà 4 noms, mais en fait, j'ai beaucoup travaillé avec le dernier scénariste. On a beaucoup adapté, j'ai rajouté beaucoup de comédies comme La Porte, tout ça. Mais et puis il y avait déjà des choses qui me touchaient, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de faire des connexions avec vos autres longs métrages. Je pense à Une Époque Formidable. Vous racontez souvent des histoires de personnages qui sont sur la ligne de départ et à l'arrivée, ils sont complètement métamorphosés, ils changent. Oui, en général, ils sont assez cassés au départ et on répare. Mais le cinéma, la vie. La comédie, le rire, l'émotion, là, la musique, ça les répare et ils sont un peu mieux à la fin qu'au début, mais c'est pour ça qu'il y a marqué, il était une fois. Exactement. Parce que, malheureusement, dans la vie, c'est pas toujours comme ça, il n'y a pas de happy end dans la vie, il y en a que au cinéma, tant mieux. Pourquoi cette thématique-là vous tient-elle tant à cœur? Je sais pas, j'ai envie, moi j'aime le cinéma qui raconte la vie en mieux, quoi. J'ai envie de sortir d'une salle regonflée, j'ai envie d'imaginer l'espoir, j'ai envie de, enfin, peut-être parce que je suis atrocement pessimiste au fond de moi, que j'ai envie que le cinéma soit plus, oui, c'est toute ma vie, ça. Moi, j'ai une enfance très heureuse, mais très, un peu terne. Donc, Truffaut disait une chose terrible, il disait, moi, si j'aimais la vie, j'aurais jamais fait de cinéma. Mais bon, moi, j'irais pas jusque là, mais c'est vrai que, j'aime bien que le cinéma soit plus joli que la vie, quoi. Et vous êtes d'accord avec la citation de La Fontaine que vous avez placée dans le film? Oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup celle du clou. Ouais. Et puis, il y a la musique. Hein. Et c'est vrai que ce film, c'est un peu comme une chanson douce. C'est vrai. Et l'autre fois, j'étais dans une salle, il y avait une dame qui, il y a sa petite fille qui disait, pourquoi tu pleures? C'est pas triste. Non, c'est beau. Et moi, c'est le plus beau compliment que j'ai entendu. Vous dirigez des jeunes acteurs. Et devant la caméra, on voit le personnage de Marc Lavoine qui dirige un jeune homme, une sorte de mise en abîme en fait. Oui. J'ai envie de savoir, est-ce que vous êtes un passeur, un griot, comme vous dites? Tu viens malgré moi, oui, non, mais c'est sûr que ça me... L'avantage d'être metteur en scène, c'est que ça... Par rapport à acteur, où l'ego est très très important, là, l'ego, il ne passe que par l'ego des autres. Donc c'est ça qui est... très finalement assez apaisant et plutôt bien pour la tronche. En fait, moi j'ai un rôle qui est un peu secondaire pour une fois, mais je fais pas des films pour briller moi. Je fais un film pour que tout le monde soit bien autour et pour que tout le monde joue. Et le plaisir que j'ai, c'est quand on me dit ah ben machin joue bien. Et c'est vrai que je suis heureux que tous les acteurs, tous les enfants soient nickel. Donc on a beaucoup travaillé, on a fait de la synchro, des trucs pour que à la note. Il y a 2-3 petites bricoles encore qui quand je revois qui non. Mais globalement, je suis assez content. Vous auriez même pu le tourner à Paris. Finalement, vous avez choisi La Réunion. Pourquoi cet endroit? Parce que d'abord, Swan était réunionnais. Et puis surtout, parce que c'est plus beau. C'est vrai. Non, puis ça s'est fait comme ça. C'est vrai que c'était...
Il y a aussi l'avantage de pouvoir, où que vous mettiez votre caméra, c'est intéressant, c'est beau, puis je connaissais pas. Moi, je fais aussi des films pour découvrir des pays. J'ai tourné dans plein d'endroits, dans des régions en France, à l'étranger. Et c'est ça qui est génial quand on est metteur en scène, c'est que on n'est pas dans une caravane et on vient vous chercher pour jouer, pour mentir trois phrases. Là, on rencontre des gens. Moi, je suis vraiment imprégné. D'ailleurs, on a rajouté beaucoup de choses sur les ancêtres, sur la transmission. Il y a des cultes comme ça, très important à La Réunion. La transmission, il y a un petit peu tout ce mécanisme qu'il y a dans votre cinéma, qu'on adore, c'est quelque chose de très familial. Et si on veut aller plus large, une histoire de musique avec un maître, ça me fait penser aux choristes, notamment il y a un moment un petit clin d'œil au Père Noël est une ordure, lors d'une réplique. Oui, il y a un petit clin d'œil aussi au Cœur des Hommes. Ouais. Enfin, non mais, oui, mais c'est vrai, il y a des cousinages, comme Meilleur Espoir, il y a aussi, ça pourrait être Meilleur Espoir masculin, le petit bon, parce qu'il y a cette passion qui est... d'un être un peu incompris, et puis il y a ce chanteur qui va se reconstruire comme ce musicien raté dans les choristes, qui va trouver enfin la consécration grâce à ses mômes cabossés, qui va essayer de réparer. Donc oui, il y a des thèmes comme ça. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est sûr que quand je regarde mes films, il y a une espèce de petite musique qui se dégage de cette œuvre. Ouais. je suis content que mes films se ressemblent, quoi. Enfin, peut-être pas par un ou deux, mais. Mais je trouvais que vous mettiez tellement de vous-même dans celui-là que, pardonnez-moi la question du journaliste un peu facile, mais elle est sincère. Est-ce que c'est peut-être pas votre film le plus personnel, au final? Peut-être. Je sais pas. Je crois que Meilleur Espoir l'est aussi, beaucoup. Il y a un film qui a pas eu de succès, qui s'appelle Rose et Noir, qui était peut-être le film le plus personnel. Alors, c'était un film sur l'Inquisition qui se passait au Moyen-Âge, ça n'intéressait personne. Moi, j'ai beaucoup eu plaisir à faire ça. Mais vraiment, c'est ça, c'est un personnage qui essaye de mettre du rose sur le noir de la vie, quoi. Et moi, je crois que c'est ce que j'essaye de faire dans tous les films. Et là, il n'y a pas beaucoup de noir, mais il y a un peu de gris. Et puis, on met un peu de rose et de bleu. Parce que le soleil, c'est un euphorisant, quoi. C'est un film qui m'a passionné, qui est passionnant et qui, je l'espère, passionnera également les spectateurs. J'ai bien fait de venir. Super. Bien, merci Gérard Jugnot. Merci à vous.